Salut tout le monde, donc aujourd'hui ça va être une vidéo produit fini pour changer un petit peu. Je déconne, mais je sais que ça fait beaucoup, mais comme je, voilà, j'essaye de finir mes produits, etc., de pas trop acheter, de finir ce que j'ai, etc., donc je suis vraiment motivée à utiliser tout ce que j'ai et je suis contente parce que ça part, donc mes tiroirs se vident et ça fait du bien. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire en 10 minutes, pari tenu ou pas, tape ici. On verra à la fin. Donc là, j'ai encore plein d'autres produits à vous montrer, mais je le ferai dans une autre vidéo, sinon je trouve que ça fait trop long en fait. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes pour voilà, que ça plaise à certaines d'entre vous qui se plaignent un petit peu de mes vidéos un peu trop longues. Donc je vais essayer de faire vite. Donc j'ai sélectionné des produits, voilà, ça va aller assez vite normalement. Donc je vais commencer par des gels douches que j'ai fini. Donc en ce moment j'adore les produits Dove, que ce soit les gels douche, crème pour le corps, déodorant, etc. Enfin, j'aime bien la gamme de chez Dove, donc que vous trouvez en supermarché. Donc là j'ai fini deux gels douche, je les avais achetés pendant les promos Leclerc, donc vraiment pas cher. Donc si jamais ils les font dans les prochaines promos, ça va pas tarder, je me rappelle plus sur quel mois, c'est au mois de juin. Enfin bref, les prochaines promos Leclerc testées, franchement ils sont plutôt pas mal. Donc ça c'est le douche nourrissant huile crème, donc aux huiles de soin. C'est mon soin cocooning, il y a écrit. Là c'est aussi mon soin cocooning, donc douche soin nourrissante. Et là c'est au lait de coco et pétales de jasmin. Donc les deux sentent très bons, sont plutôt agréables à utiliser, puis ça lave. Hein. Et ce qui est bien c'est que ça lave en douceur, ça vous laisse la peau douce, ça vous agace pas la peau. Donc moi j'aime beaucoup ces petits gels douche là. Et toute la gamme qui va avec, bien évidemment. J'ai même pour laver les mains, enfin, j'ai vraiment toute la gamme de Dove pour le soin et j'adore ça. Un autre gel douche que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Caudalie. Donc c'est le gel douche pêche de vigne, haute tolérance, sans savon, pour les peaux délicates et sensibles. Donc celui-là, il sent la pêche, mais c'est pas la pêche chimique, c'est vraiment la pêche, on dirait que t'as mis du vrai jus de pêche dedans, donc il sent plutôt bon. Voilà, donc c'est un gel douche qui lave très bien pour les peaux sensibles et délicates, donc c'est quelque chose qui n'agresse pas la peau. Donc voilà, je le rachèterai pas parce que j'ai aimé l'utiliser, mais c'était pas non plus l'amour foufoufou non plus. Mais en tout cas, je le conseille si jamais vous aimez bien l'odeur de pêche naturelle. On va vite, hein, vous voyez. Alors là, je vais vous parler de mon beurre corporel chouchou. Donc, c'est Nectar of Nature. Donc, c'est la marque de chez Carrefour. Vous voyez, il est tout fini. Et c'est celui-là. Oh, là, j'ai ouvert, je sens l'odeur. Ça sent trop bon, la figue. En fait, donc, c'est le baume corporel hydratant protecteur à la figue. J'adore. Franchement, je suis amoureuse de ce produit-là. J'aime bien la texture. Je trouve qu'il hydrate bien. L'odeur, je kiffe. J'achète toujours celui à la figue. Franchement, j'adore. Je pourrais l'utiliser toute l'année, pendant un an, non-stop. Je m'en lasserai pas. Je sais pas. J'ai vraiment bien accroché avec ce produit-là. Donc, j'aime bien le packaging. J'aime bien la texture. J'aime bien l'odeur. Et il est efficace. Il est hydratant. Donc, moi, je vous le conseille. Donc, chez Carrefour, c'est les cosmétiques. Donc, voilà. Donc, la marque de Carrefour. Ensuite, vite fait, un déodorant parce que j'ai changé un petit peu. Donc c'est Rexona. C'est donc la protection longue durée ultra dry. Elles sont super bon. Je sais, c'est un déodorant, c'est pas fait pour sentir bon ou quoi que ce soit. Mais c'est efficace et en plus j'aime bien l'odeur. Donc franchement, le Rexona, j'ai l'impression qu'il est plus efficace que le Dove, soit que tout le monde parle, etc. Donc je ne sais pas. Je suis encore un petit peu perplexe à ce niveau-là. En tout cas, c'est un très bon déodorant. Donc le Rexona Protection Longue Durée Coton Ultra Dry, antitranspirant. Donc 0% d'alcool. Donc moi j'évite l'alcool, hein, parce que sinon ça déchire sous les bras, c'est un truc de ouf. Mais moi je le trouve plus efficace que le Dove, à voir, mais... Voilà, j'ai bien aimé utiliser ce déodorant là. Voilà, je sais, je parle de déodorant dans une vidéo. Super glamour. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Ah, je vais vous parler d'un produit cheveux. Donc j'ai fini, donc de la marque Phyto, c'est mon vinaigre de rinçage. Donc pour tout type de cheveux. Donc c'est extraction de plantes aromatiques au vinaigre de cidre, de lavande, de thym, de romarin et de sauge. Donc en fait, vous l'utilisez une fois que vous avez fini votre routine cheveux, votre shampoing après shampoing, etc. Vous en mettez sur vos cheveux, vous laissez agir quelques instants, puis vous rincez et ça va enlever tout le calcaire de vos cheveux, les saletés qui sont restées sur vos cheveux. Ça va vraiment faire enlever tout ça et ce qui va rendre vos cheveux 6 fois plus brillants. Et franchement, c'est vrai, j'avoue. Vous ressentez vraiment les cheveux plus brillants.
Après, c'est pas non plus un truc de fifou, quoi. Genre, si jamais vous utilisez une gamme de shampoing qui déjà vous rend vos cheveux brillants, voilà, c'est déjà bien. C'est plutôt gadget, c'est pas indispensable. Mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé l'utiliser. Je le rachèterai, ouais. Après, je vais pas précipiter pour l'acheter. Mais c'est un produit que je sais que je rachèterai parce que j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter soit chez Phyto, vous pouvez prendre du vinaigre normal, etc. Après, ce qui est bien avec celui-là, c'est que l'odeur ne reste pas sur vos cheveux. C'est-à-dire, quand vous rincez, voilà, vous n'avez pas les cheveux qui sentent le vinaigre. Moi, j'ai un peu peur d'utiliser le vrai vinaigre, quoi. J'ai peur que mes cheveux après sentent. Voilà. Pas très bon. Donc, voilà. En tout cas, si jamais vous voulez tester, je vous encourage parce que c'est plutôt un produit sympa pour votre routine capillaire. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Donc là, on va parler un peu produit pour le visage. Donc, j'ai fini. Je ne vais pas vous en parler parce que j'en ai parlé 10 000 fois. C'est les gouttes bleues Inoxa, donc produit indispensable pour mes yeux. Je peux ne pas vivre sans ça. Donc, c'est des notions en fait hydratantes pour les yeux. Donc, si jamais vous avez les yeux rouges, secs, si vous êtes porteur de lentilles, que voilà, vous avez les yeux secs ou rouges, etc., vous mettez ça et instantanément vous avez les yeux plus brillants. Un peu, vous savez, comme le chat de Shrek, vous savez, quand il fait les yeux comme ça, et bien vous avez les yeux comme ça aussi. Donc tout brillant, le rouge y part, là, les veines rouges elles disparaissent instantanément, c'est vraiment génial. Je peux pas vivre sans, je ne peux pas vivre sans. Donc j'ai fini deux produits que j'ai mis 10 ans à finir. Donc alors ça, je vais vous en parler vite fait parce que je crois que la marque elle n'existe plus. C'était la marque Terra Humana. Donc c'est une eau nettoyante, visage et yeux au bio-écolia, protecteur de l'écosystème cutané pour peau sensible sans rinçage, sans parabènes et sans phénoxéthanol. Donc il y a 5 ml, je crois qu'elle n'existe plus, je ne sais pas, mais en tout cas si jamais elle existe encore, ne vous prenez pas la tête à acheter ça. Le visage, ça rafraîchit, ça démaquille pas les yeux, rien du tout, que dalle, walou, franchement j'ai pas aimé. Ça rafraîchit, point barre, mais bon je peux prendre de l'eau si je veux me rafraîchir, hein, j'ai pas besoin d'acheter ça. Par contre, très belle découverte. C'est le démaquillant express yeux sensibles au bleuet, donc de chez Yves Rocher. Donc c'est un démaquillant yeux biphasé, simple, mais comme il y a, je ne sais pas si c'est le bleuet qui fait tout, mais c'est pas agressif pour les yeux, ça démaquille super bien tout, waterproof, mascara, etc. Voilà, donc franchement, Yves Rocher, si jamais vous cherchez un nouveau démaquillant pour les yeux biphasés, je vous recommande celui-ci. En plus, Yves Rocher font souvent des promotions, etc. Donc moi, je serais susceptible de le racheter. Donc pour l'instant, je suis plutôt aux huiles démaquillantes, mais voilà, franchement, c'était une bonne découverte pour moi. Donc on parle pas assez de produits Yves Rocher, donc je voulais en parler un petit peu. Donc je remarque que je suis comme ça, je sais pas pourquoi je me tiens comme ça. Je crois que cette vidéo elle va être du n'importe nawak et il y a un vush qui est son objectif, quoi. Normal. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 minutes les amis. J'avais dit 10 minutes. Croisons les doigts. Donc un produit, mais coup de cœur. J'adore, je vais le racheter, ça c'est sûr et certain. C'est une brume de soin. Attendez, je vais essayer de me tenir bien parce que je ne me tiens pas bien là. Donc c'est une brume de soin de la marque Tage. Donc c'est aussi une marque qu'on n'entend pas trop parler. Donc c'est une brume de soin à la rose et au jasmin qui sent super bon. J'adore l'odeur. Je ne suis pas du tout odeur florale, mais j'adore cette combinaison rose et jasmin. Je trouve que ça sent super bon. Donc c'est une brume de soin donc antioxydante, régénérante et hydratante. Donc le packaging, j'adore. L'odeur, j'adore. Et je trouve que c'est efficace. C'est vraiment hydratant. On s'entend, hein, quand on dit hydratation, ça reste une brume. Hein. Mais c'est quand même, ça hydrate. Moi, c'était mon petit geste plaisir. Je mettais le soir ou le matin en fonction de mes besoins, etc. Mais ça, c'est franchement, je vous recommande. Je n'ai jamais entendu parler. Moi, c'est parce que je traînais sur un site de parapharmacie. Et j'étais tombée sur ça et je ne sais pas, ça m'a attirée. En plus, ça s'appelle Rasayana. Rasayana? Je sais pas, ça m'a attirée. Des fois, on est attiré par des produits, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est le premier soin cosmétique inspiré de l'Ayurveda à base d'eau de source de l'Himalaya. Vous voyez? Donc la connaissance et la maîtrise des mélanges des plantes et de leur synergie, etc. etc. T'as déjà ressaisis-toi. Donc la brume de soin aux extraits de rose et de jasmin, reconnue pour leurs vertus antioxydantes, revitalisantes et adoucissantes, prévient le vieillissement et apporte confort et souplesse aux peaux les plus sèches. Délicatement parfumée, la peau est lisse, douce et fraîche. Et franchement, j'adore. Donc franchement, je vous le conseille. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi, je vais le racheter. Ça, c'est sûr et certain. J'ai fini. Bon, alors ça, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous avais déjà parlé 10 000 fois. Levure de bière. Donc ça, j'ai fini. Je m'étais fait une petite cure.
Voilà, parce que j'en avais un petit peu besoin. Là, je suis passée aux pilules Air Infinity. Si jamais ça vous intéresse... De toute façon, pourquoi je vous pose la question? Parce que je vais faire quand même la vidéo. Parce que si je les ai testées, c'est pas non plus pour rien. Je vous ferai une vidéo revue quand j'aurai fini. J'ai fini... dans 10 jours, j'ai fini mon deuxième mois. Donc, je ferai un bilan. Voilà, 2 mois de Air Infinity. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, donc levure de bière, c'est quelque chose que je rachète de temps en temps comme ça depuis des années. Donc j'en ai parlé 1000 fois, j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir un peu plus. J'ai du mal à m'exprimer, désolée, j'essaie d'aller trop vite là, je crois, il faut que je ralentisse. Donc vite fait, je vous parle d'une crème pour les pieds, on reste dans le glamour après le déodorant. La crème pour les pieds de chez Scholl, c'est la crème anti-crevasse talons, pieds très secs et abîmés. Répare la peau fendillée et crevassée, résultat visible dès 3 jours. Ouais, je sais, c'est pas glamour, hein, mais je vous assure que j'avais des pieds, mais je les ai laissés à l'abandon, mes pieds. Et j'avais des pieds, mais les pauvres, mes skins, je les ai martyrisés, quoi. C'est de la maltraitance limite. Donc, c'est une crème hyper efficace. Vous mettez ça le soir, vous enduisez bien vos pieds avec, vous mettez des grosses chaussettes, vous dormez, le matin, vous réveillez. Déjà, ça va beaucoup mieux au bout de 3 jours. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Donc voilà, la crème anti-crevasse, elle n'est pas totalement finie. Il m'en reste encore un petit peu. Donc, mais bon, je voulais l'inclure dans cette vidéo pour vous en parler. Parce qu'on va arriver dans les beaux jours, etc. Il faut faire attention à ses pieds parce qu'ils vont souffrir avec les tongs, etc. Donc il faut commencer dès maintenant à les entretenir. Et si jamais vous avez le même problème que moi de pieds bousillés, franchement, je vous recommande cette crème. Elle est vraiment très 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 efficace. C'est pas la première fois que j'utilise, je l'utilise depuis des années et je suis toujours autant satisfaite. Maintenant, je vais vous parler de deux flops de produits que je ne rachèterai pas. On finit en beauté. Donc ça, je vais parler vite fait, mais c'est la laque de chez Tony & Guy. Donc c'est une marque qu'on retrouve chez Monoprix. Donc c'est la laque, vous savez qu'ils vendent un coffret, vous avez... Je vous ai poussé une à la gueule. Il y a un coffret où vendent la laque et avec la brume petit pchit effet salé là. L'effet salé ça va, mais la laque elle est nulle. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super dur à appuyer. C'est à dire que pour mes dents dégelées, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Faut que je m'habitue à ce réflexe. Mmh. Casse le doigt, essaye de faire sortir le produit, et en plus de ça, ça te fait les cheveux dégueulasses. Donc franchement, c'est super difficile à appuyer. Le packaging il est pourri. C'est le deuxième que j'achète et voilà. J'aime beaucoup le spray salé, mais ça j'aime pas du tout, je vous recommande pas du tout, voilà. Donc on va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà beaucoup de produits. Le dernier produit, je vous en montrerai dans une autre vidéo, parce que c'est un auto-bronzant, et voilà, je ferai une autre vidéo pour ceci. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire court, je sais pas si ça fera 10 minutes, mais en tout cas, ça fera une vidéo courte, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc comme toujours, on se fait joli, on sourit, et on profite de la vie. Ciao les petits.